solidarité avec, avec, avec Carré. So, 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 solidarité avec, avec, avec Carré. Je pense qu'ils ont passé leur jeunesse à grandir sans que leurs parents leur disent non, jamais. Et donc c'est ça qu'on voit maintenant dans les rues, ça passe son temps à se plaindre et c'est tout. My name is Nasser Ras, I'm Canadian, I was just in Bahrain. J'étais détenu et j'étais torturé dans un centre de détention à Bahrain. Mal à comprendre ce qui se passe, il est temps que les gens se réveillent un petit peu, qu'ils arrêtent de faire les fainéants. ça fait assez longtemps que ça dure. Systématiquement, jour et nuit, il y a leurs manifestations et ensuite ils se faisaient attaquer. Il y a eu plusieurs personnes qui sont mortes. Ça n'a pas de bon sens, c'est tout, ça n'a juste pas de bon sens, ça coûte cher à tout le monde. Et en plus, ce que je trouve un petit peu désolant, c'est qu'ils prennent la liberté, mais ce qu'ils ne se rendent pas compte, c'est qu'ils en enlèvent à beaucoup de gens. En même temps, il y avait des manifestations qui se produisaient contre le Grand Prix, et puis en même temps qu'il y avait des manifestations, bien sûr, il y a tout le monde qui ont été tirés à proximité de la piste du Grand Prix de Bahreïn. Hier, oui, j'ai écouté ce qu'a dit Jekinov, je trouve ça... Ben en fait, c'est très révélateur de la mentalité des capitalistes, en fait, qui s'en foutent des autres et qui croient avoir tout compris et qui se permettent même de donner des leçons aux autres. Je trouve ça, ben, c'est ridicule, mais c'est tout à fait normal. Les Bahreïnais sont descendus dans la rue pour protester contre les Formule 1 parce qu'ils ont trouvé ça injuste et absurde qu'au moment où ils meurent dans les rues, où ils sont emprisonnés et torturés, que les riches de ce monde qui n'arrêtent pas de parler de moralité, de donner des leçons, viennent dans leur capitale, dans leur ville et de faire comme si rien n'était, comme aujourd'hui on le voit à Montréal. Ils s'en foutent s'il y a une crise sociale, s'il y a des gens qui sont arrêtés, ils viennent, ils font leur cocktail, ils font leur... c'est-à-dire, ils font, c'est comme si rien n'était, ce qui était tout à fait, bien sûr, inacceptable par le peuple bahreïnais. Et donc, ils ont essayé de faire porter leur voix, mais comme d'habitude, ils ont été réprimés. La révolte du peuple bahreïnais, c'est une révolte comme celle des autres peuples arabes. Elle a commencé depuis déjà un peu plus d'un an, d'une année. Et ce qui la différencie un peu, c'est qu'il s'agit d'une monarchie et qui est entre l'Arabie Saoudite et d'autres monarchies comme Dubaï, etc. Et donc, ce qui a facilité, c'est la répression dont elle a été victime, comme les autres peuples arabes, mais en plus de cela, il y a eu une complicité des médias mondiaux et arabes aussi qui n'en parlent pas. Et surtout, ce qui est encore plus dommage, ils l'ont transformé, c'est-à-dire ils la présentent comme un conflit culturel, comme un conflit entre communautés, entre les sunnites minoritaires et les chiites majoritaires. Ce qui est tout à fait absurde, parce que si on voit aussi la Syrie, ça serait la même chose dans le sens contraire, mais personne ne dit la même chose. Pourquoi cette hypocrisie? Parce que, en fait, ce régime, le régime d'Al Khalifa au Bahreïn, est un régime qui est complice aux Américains et dont on a besoin là-bas parce qu'il y a des bases militaires américaines là-bas et on ne veut pas qu'ils changent. Et donc, on se contente de donner des conseils pour dire voilà, vous devez faire certaines réformes. Donc, la révolte du peuple bahreïnais est vraiment une révolte
très importante et il est très occulté dans les médias et c'est pour ça qu'il faut être avec eux. Je pense qu'ils ont passé leur jeunesse à grandir sans que leurs parents leur disent non, jamais. Et donc c'est ça qu'on voit maintenant dans les rues, ça passe son temps à se plaindre et c'est tout. J'aimerais juste dire que je crois qu'il est important de continuer la lutte ici même à Montréal, au Bahreïn, à Tunis, au Caire, en Syrie, partout où il y a des injustices, parce qu'il est clair que nos destins sont liés et où on gagne tous, où on va tous perdre.